Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, la chronique de MBT s'intéresse une fois encore à l'affaire Samy Le Noir, du nom de ce jeune web comédien qui a perdu la vie le 6 juillet dernier à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé suite à une opération de la fracture du bras gauche qui a malheureusement tourné court, une fracture que le jeune web comédien a contracté le 1er juillet dernier suite à ce qui apparaît de plus en plus comme une altercation qui aurait eu lieu à la résidence de Dame Mongwe Karine entre le défunt et son époux qui, jaloux, le soupçonnait d'entretenir des relations intimes avec sa compagne. Alors, mesdames et messieurs, en cette édition de la chronique de MBT, nous allons nous appesantir sur ce document que voici. Regardez bien ce document-ci. Regardez bien. Alors, il s'agit du PV d'audition de Dame Nana Adèle, celle qui selon Dame Mongwe Karine, a percuté Samy le 1er juillet dernier à Kribi. Mais la question que j'aimerais poser au commissaire Fauchivé de Kribi qui a réalisé ce procès verbal. Mais monsieur le commissaire, mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des cons? C'est donc ça. C'est donc ce brouillon, ce torchon-ci que je vois là. C'est ça que vous appelez procès verbal d'audition? Attends, je ne sais pas. Hein? Peut-être que certains mots français ont un sens que je n'arrive pas à saisir. Mais attends, quand on parle d'audition, ben, ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un que vous êtes en train d'auditionner. Ça veut dire que vous êtes censé lui poser des questions. Voilà pourquoi on parle d'enquête préliminaire. Quand on parle d'enquête préliminaire, ça veut dire qu'on pose les questions aux personnes ou à la personne qui fait l'objet d'une enquête. L'enquête, c'est qu'on cherche à ressortir ce qui est caché. Et on ne peut chercher à ressortir ce qui est caché qu'en questionnant la personne. Or, dans ce brouillon-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste les déclarations de Dame Nana Adèle. C'est-à-dire qu'une déposition faite à la main, manuscrite au 21e siècle. Depuis quand? Vous avez déjà vu ça où? Depuis quand, même dans les coins perdus du Cameroun, on ne fait plus les enquêtes préliminaires de façon manuscrite. On ne dresse plus les procès-verbaux, que ce soit d'enquête préliminaire, que ce soit d'audition à la main. Ça ne se fait plus. Aujourd'hui, on utilise les machines, les iPads, etc., etc. Il dit que même dans les coins les plus reculés du Cameroun, et même dans les coins les plus reculés du Cameroun, même s'il faut mener une enquête préliminaire, même s'il faut auditionner un suspect et dresser le procès verbal de son audition de façon manuscrite, il y a quand même des questions qu'on lui pose. Or, on a comme le sentiment que le commissaire Fauchivé, comme Dame Mongwe Karine l'a ramassé et l'a mise dans sa poche, comme Madame Mongwe a ramassé ce commissaire de police et l'a mise dans sa poche, il a sans doute demandé à Dame Nana Adèle que, écoute, essaye un peu de rédiger un petit truc là, et puis voilà, tu signes, moi aussi je signe, et c'est avec ça qu'on va aller mettre en scène ton procès au tribunal de première instance de Kribi. Donc c'est sur la base de ce chiffon-ci, c'est sur la base de ce torchon-ci, que la femme-là est poursuivie pour homicide involontaire au tribunal de première instance de Kribi.
C'est donc elle, tandis que sur la base de ce témoignage-ci, c'est donc sur la page, de, sur la base de ce témoignage-ci, que la femme-là est poursuivie devant le tribunal de première instance de Kribi pour homicide involontaire. Samy Lenoir a trouvé la mort entre ses mains. Est-ce que c'est elle qui a tué Samy? Samy a trouvé la mort à l'hôpital de la caisse. Donc, s'il y a des personnes qui doivent être poursuivies pour ce chef d'accusation-là, homicide involontaire, ce sont les médecins qui s'occupaient de lui à l'hôpital de la caisse. Ce n'est pas la dame-là. Et après être tombé sur ce PV d'audition que One Love a publié sur sa page Facebook, la conclusion coule de source. C'est que justement, Dame Nana a sans doute été recrutée par Mongwe Karine pour venir mettre en scène le procès, une parodie de procès relative à l'accident dont Samy a été victime. C'est-à-dire qu'elle a été recrutée pour accréditer la thèse de l'accident. Aussi simple que ça. Elle a été recrutée pour ça. Ah oui? Elle a été recrutée pour ça. Et aujourd'hui, on vient nous brandir un procès verbal, un chiffon comme celui-ci. Et pour revenir même au procès verbal d'audition lui-même, Dame Nana dit dans ce fameux PV, dans ce PV qui est problématique, que elle a vu trois personnes en train de traverser la route. Et elle a freiné. Or, on a tous regardé la fausse vidéo que Dame Mungwe Karine et sa bande a fait publier sur Facebook quelques jours après le décès de Samy. Est-ce que dans cette vidéo-là, vous voyez un semblant de freinage de la voiture que l'on voit en train de percuter quelqu'un qui ressemblerait à Samy? Est-ce que vous voyez un semblant de freinage sur cette image-là? Non. On ne voit aucunement, c'est-à-dire qu'on ne voit rien qui ressemble à un freinage. Je dis bien rien. Donc, vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que le PVC que vous voyez là, le PV, c'est-à-dire que rien qu'à partir de ça, vous comprenez qu'il y avait une connivence entre le commissaire Fauchivé ou alors entre l'enquêteur et la dame-là. Car nous tous, nous savons les liens, c'est-à-dire que la relation qui existe entre le commissaire Fauchivé et Karimo. Karine Mungwe s'est rendue plusieurs fois au commissariat de Kribi pour aller rencontrer le commissaire Fauchivé dans le cadre de cette affaire-ci. Et moi, j'ai toujours dit aux activistes qui s'intéressent à cette affaire-ci, ne prenez pas en considération tout ce qui vient de Kribi. Parce que Mungwe Karine a emballé toutes les autorités de la ville dans un mouchoir de poche. Que ce soit les autorités policières, que ce soit les autorités judiciaires, elle les a toutes prises. Elle les a mises dans sa poche. Souvenez-vous de ce qu'elle a dit récemment. Qu'elle a un carnet d'adresses insolent. Elle a un carnet d'adresses insolent. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Que la dame que vous voyez là, si on vous dit qu'il se cache derrière sa marque de cosmétiques, vous allez tomber à la renverse. Vous allez tomber à la renverse. Donc, quand elle dit là qu'elle a un carnet d'adresses assez fourni, ça veut dire qu'elle a contacté ses réseaux à la présidente de la République pour lui dire que voilà, je suis dans telle situation, comment vous pouvez gérer ça? Et c'est comme ça que de l'argent a coulé à flot pour fermer la bouche de certaines personnes dans cette affaire-ci. Parce que là où vous voyez cette Karine Mungwe là, elle est prête à tout pour sortir la tête de cette eau que vous voyez là. Elle est prête à tout pour sortir la tête de l'eau. Pour sortir saine et sauve dans cette affaire-ci. Elle est prête à tout.
Donc, il ne faut pas que certains de mes compatriotes qui s'occupent de cette affaire-ci tombent dans la manipulation. Il ne faut pas qu'ils tombent dans la manipulation. Tout à l'heure, je suivais mon aîné, mon très cher frère One Love, qui disait que voilà, il y a eu bel et bien accident à Kribi, j'ai reçu la vidéo de ceci, de cela. Je dis, mais finalement, c'est nous qui nous intéressons à cette affaire, qui sommes stupides et idiots ou bêtes ou je sais pas moi. Tandis que les personnes même, tandis que le Karine Mongwe et son groupe, chaque personne qui a eu à prendre la parole dans cette affaire, c'est-à-dire que tous les acteurs de cette affaire ont une version contradictoire. Et vous voulez nous faire croire qu'il n'y a pas quelque chose de louche dans cette affaire et que la thèse de l'accident ne tient pas debout. Madame Nana, dans son procès-verbal, elle dit que c'est elle qui a transporté Samy à l'hôpital. Kandem, l'ami de Samy, a déclaré chez, comment on appelle, la Suisse, la baronne de Suisse, que c'est lui qui a transporté Samy à l'hôpital. Guy Lowe, qui est l'un des groupes, des chefs, des responsables du groupe, de la marque Karimou, a dit à One Love que non, il a transporté Samy dans sa Starlet pour le conduire à l'hôpital. Et que de l'hôpital, ils ont fait escale chez Karimou. Parce qu'il fallait prendre ses effets chez Karimo et le mettre dans un véhicule, dans la Prado, qui est plus spacieuse que le véhicule de Monsieur Loé. Des versions qui ne tiennent pas debout. La Prado était déjà là. Pourquoi ne pas transporter Samy et le conduire directement à Yaoundé? Pourquoi s'arrêter au domicile de Mungwe Karim? Pourquoi au moment où il est à l'hôpital de Kribi, on n'est pas allé chercher ses effets, les mettre dans la Prado et puis aller l'attendre à l'hôpital de Kribi avant de le prendre puis le transférer sur Yaoundé. Pourquoi le transporter d'abord dans une voiture minuscule et puis après le laisser au domicile de Karim Mungwe où il sera embarqué dans la Prado? Vous trouvez, c'est-à-dire que c'est une thèse qui ne tient pas debout. Moi, je continue à dire, et je le maintiens, que l'accident dont on nous parle là, en réalité, c'est au domicile, c'est-à-dire qu'à la résidence hôtelière de Mongwe Karine, c'est là-bas où l'accident là a eu lieu. Et de là-bas, il a été transporté, il a été embarqué dans la Prado, direction hôpital de district de Kribi. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, quand mon ami One Love dit qu'il a reçu la vidéo de l'employé de la banque qui avait été licencié de Banche Banque, une vidéo de 30 minutes qui confirme qu'il y a bel et bien eu accident. Bon, qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que cette vidéo a également subi le même sort que la première? Qu'elle a été, tout comme la première, manipulée pour les besoins de la cause? Qu'est-ce qui ne nous le fait pas croire? Qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que l'employé de banque a été contacté par le groupe de Carimo, puis il a fait volte-face, et après on lui a servi une vidéo qui a été retravaillée, pour une vidéo plus longue, et on lui a remis pour dire, voilà, va donner à tel. Qu'est-ce qui ne nous le fait pas croire? Puisque il y a des chaînes de télévision, jusqu'à trois chaînes de télévision qui sont descendues sur les lieux et qui ont constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que la thèse de l'accident ne tenait pas debout. Il y a même eu des témoins qui ont déclaré qu'eux, ils étaient là le jour-là. Ils n'ont rien vu comme accident. Et qu'ils vendent, c'est-à-dire qu'ils font leur petit commerce là, tous les jours. Il y a même un Camerounais qui est descendu avec la caméra de son téléphone pour faire dans du citizen journalism là-bas. Il a interrogé les gens. Les gens lui ont dit que jamais. Nous, on est ici tous les jours. On n'a rien vu comme accident ici. Et les gens continuent à croire à la thèse de l'accident.
Les gens continuent à croire à la thèse de l'accident, mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Moi, je continue de croire, dur comme fer, que ce garçon-là, Samy le Noir, a été victime de quelque chose à la résidence de Mungwe Karine là-bas. Il n'a jamais fait l'accident, nulle part à Kribi. Il n'a jamais fait d'accident. La preuve, même le PV, le procès verbal d'audition, c'est un procès verbal à problème. C'est un procès verbal à problème. Ah oui, c'est un procès verbal à problème. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque quand on parle d'audition, ça veut dire que l'enquêteur te pose des questions et tu réponds. Or, quand on regarde le PV, le chiffon là, la suspecte vient là, elle écrit, elle griffonne un truc là et puis elle signe. C'est quoi ça? Depuis quand on mène des enquêtes préliminaires de la sorte, sans poser des questions aux suspects? Depuis quand, où est-ce que vous avez vu que ça se fait? Ça veut dire que le commissaire Fauchivet et toute sa bande de petits flics étaient de connivence avec la dame là. Et que la dame là a été contactée pour jouer le jeu, pour crédibiliser la thèse de l'accident. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà, c'était tout pour la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez la vidéo au maximum. Si vous arrivez sur la page pour la première fois, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour faire partie des premières personnes à recevoir toute vidéo qui sera postée sur cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.